Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolou Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'utiliser un poisson ombre ou une pierre d'ombre et utiliser traverser pendant 3 secondes près d'un joueur. Alors pour réaliser ce défi, vous allez soit devoir trouver une pierre d'ombre comme celle-ci, ou alors vous allez devoir trouver un poisson comme celui-ci. Donc si vous pêchez un poisson, poisson d'ombre, vous allez pouvoir réaliser ce défi. Mais moi, je vous conseille directement d'utiliser une pierre d'ombre qui se trouve dans les sites de crash extraterrestre. Donc il y en a un ici, enfin il y a des pierres qui se trouvent ici, il y a des pierres qui se trouvent là-bas, il y a d'autres pierres qui se trouvent par ici. Et il y a d'autres pierres d'ombre qui se trouvent ici. Même peut-être ici, si je me souviens bien. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ces pierres d'ombre. Bien entendu, il vous faudra un adversaire à côté. Donc le poisson, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le transporter. Et dès que vous voyez un adversaire, vous utilisez le poisson. Les deux ont le même effet. La pierre d'ombre et le poisson d'ombre ont le même effet. Donc c'est un avantage d'avoir un poisson. Mais c'est compliqué, un peu plus compliqué à trouver parce qu'il faut le pêcher. Donc soit vous allez ici et vous utilisez une pierre d'ombre à côté d'un adversaire. Donc là je vais lancer un adversaire, hop, je prends la pierre d'ombre, j'utilise la pierre d'ombre. Et là ce que vous allez devoir faire, c'est utiliser la touche traversée. Donc moi c'est L1 dans mon jeu, j'utilise traversée et je dois l'utiliser pendant 3 secondes autour de l'adversaire. Bien entendu là il m'a tué parce que c'est un bot et quand tu es trop près de lui, il vise assez bien. Mais vous ce serait un adversaire, donc ce sera un peu plus compliqué pour l'adversaire de vous viser si vous avez votre pierre d'ombre. Donc là, je vais retourner près du joueur, près du bot, ou même pas, je vais en relancer un, regardez. Et je vais utiliser le poisson d'ombre. Vous allez voir que ça a le même effet. Donc là, je lance un bot, j'utilise le poisson, hop. Et là, voilà, je peux traverser. Comme je fais en appuyant sur L1, je traverse et je tourne autour de l'adversaire. Et vous allez devoir faire ça pendant 3 secondes pour valider et terminer le défi. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolou Mike et ciao. Peace. Yummy, bro.